Dès son accession au trône en 1413, le roi d'Angleterre Henri V revendique la couronne de France. Il réunit environ 9000 combattants, débarque en Normandie le 13 août 1415 et met le siège devant Harfleur. La ville résiste pendant un mois. L'armée anglaise est très affaiblie. Henri V décide alors de rejoindre Calais pour réembarquer vers l'Angleterre. Profitant de la situation, les Français, commandés par le maréchal de Boucicaut, se lancent à la poursuite de l'armée anglaise et bloquent tous les passages sur la Somme. Les Anglais parviennent à traverser le fleuve le 19 octobre, mais les Français les arrêtent à Azincourt. Henri V est acculé et n'a d'autre choix que de se battre. Le 25 octobre, jour de la Saint-Crépin, vers 11h, le combat s'engage. Les archers anglais se portent en avant, installent leurs pieux et décochent leurs premières flèches. Malgré la pluie qui rend le terrain boueux et impraticable, les chevaliers français se lancent à l'assaut en vagues successives, mais sont décimés par le tir nourri des archers anglais. Les combats sont intenses. À 17h, la bataille est terminée. L'armée française compte plus de 5000 morts, dont l'élite de la chevalerie. Victorieux, Henri V peut reprendre sa marche sur Calais et embarquer pour Londres avec son butin et ses prisonniers.